Pour le premier jour, il s'agissait d'une épreuve de chasse. Le but étant d'être le plus rapide possible, sans barre évidemment, parce qu'à chaque barre, 4 secondes sont rajoutées au chrono final. Donc comme vous avez pu le voir, le tour n'est pas forcément hyper gros ni technique, mais je finis quand même sur 2 barres, donc 8 secondes ajoutées sur mon chrono final, ce qui me pénalise énormément pour le reste de la compétition. Donc je suis satisfaite de ce tour parce que Garou s'est bien comporté, il a rien regardé, les foulées venaient bien, mais je suis aussi un petit peu déçue pour les barres. Minuscule foulée, paralysé des bras, c'est pas bon. Non, elle est concentrée, arrête. Elle est un peu fatiguée, elle est endormie, mais elle est concentrée. Et là, c'est vrai qu'elle a perdu le mouvement de ses bras. Elle est concentrée, on va la réveiller un peu. Donc le dimanche, c'était une épreuve sans chrono. Donc c'était un parcours très technique avec beaucoup de subtilité sur chaque obstacle. En plus, le tour était assez costaud. Contrairement à la veille, le cheval était beaucoup plus concerné sur son tour et faisait vraiment l'effort de sauter. Sur ce tour, ce qui a vraiment pêché, c'est que j'arrive entre deux foulées à cause d'une erreur de tracé finalement. Let's see.
Let's see. Le lundi, c'était une épreuve Grand Prix, donc les 6 premiers obstacles sans chrono et après une vitesse. Sur ce tour-là, j'ai vraiment craqué, j'avais plus de mental, j'avais plus la force de me battre. Le tour était encore technique et subtil et les lignes courbes étaient vraiment difficiles parce qu'elles poussaient vraiment à la faute. Je suis contente malgré tout d'avoir participé à ce championnat parce que ça nous a apporté une grande expérience. Et le fait d'avoir monté sur des tours vraiment difficiles, ça va nous permettre de mieux appréhender l'avenir au final. Le mot de la fin, c'est que j'ai encore beaucoup d'expérience à prendre et beaucoup de travail à fournir pour atteindre encore le meilleur niveau. Malgré tout, le championnat se termine sur une bonne note puisque notre collègue est 6e au championnat de France. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Give it to me like...